Je sais pas. Oh no! Quoi? T'es barré? J'ai jamais eu ce glitch-là de ma vie. Il est juste gelé? Ouais. Didi est gelé en place? What? What? Ok! Hey, on est de retour! Yes! Salut! Moi c'est Mathieu. Moi c'est Alex. On a pris une petite pause là entre la dernière session de recording de Donkey Kong. Eh ouais. T'as remis ta petite cravate. Eh oui! Moi j'ai ma petite casquette. Fait que je me rappelle même pas m'avoir rendu aussi loin dans le jeu. Je me rappelle juste du premier puis du deuxième monde. Ah, quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune, ouais. Ok. Sérieux? Après celui-là, c'est-tu le monde à glace? Ouais. T'as sûrement déjà vu le monde à glace. Oui, mais je pense pas que je me suis jamais rendu plus loin que ça. Ok, parce qu'il y a un tableau dans le monde à glace, là. Fucking tough. C'est avec les barils, là. Ça va. Mais me semble que j'en ai un que ça glisse full, hein, dans le monde à glace. Ouais, ouais. C'est dégueulasse, là. Puis un... Non, c'est vraiment beau aussi parce que t'as un genre de blizzard, là. Oui. De temps en temps, il y a tellement de neige qui arrive sur l'écran que c'est tough à voir, là. Mais c'est... L'atmosphère est incroyable, là, pour ce monde-là. Là. Oh, God! Ah, il y avait un déca de... De cachet. Ouais. Oh. Huh. Rare Wars, c'est comme les experts pour les cachettes, là. Dans tous les jeux, il y a plein d'affaires à collectionner. Là. Comme ça. Comme ça. T'as-tu joué à Donkey Kong 64? Je l'ai essayé. Ok, t'as pas trippé? Mais je l'avais loué quand j'étais jeune. Ah, ok. Mais j'avais pas trippé énormément. Parce que je pense que tu commences pas avec Donkey Kong, hein. Je pense que t'as raison. Puis c'était pas Donkey Kong ou Diddy Kong, je pense que c'est genre le clown ou... Ben t'en as un qui avait les bras qui s'étirent là. Ouais, je me rappelle pas avec lequel tu commences, mais ça m'avait turné off un peu. Je pense que tu commences avec Diddy. Ça se peut. Ou non, tu commences avec Donkey Kong, mais les autres sont pas débarrés. Ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. Tu commences avec DK, mais il faut que tu débarres les autres. Puis Diddy il est comme l'avant-dernier que tu débarres. Ouais, en tout cas, je m'en rappelle plus. Ah ouais, t'as pas... Ben je pense même pas que j'ai débarré un bonhomme. Ok. Peut-être le Overworld que j'aimais pas, là. Ouais, il y avait un fucking Overworld dans ce jeu-là. Wow. Oh my god. C'était proche à... T'es passé vraiment proche. Mais non. Yes! Ang! NG! Yes, on pogne des vies. Ça, je voulais. Mais ouais, parce que dans Donkey Kong... What the fuck, sérieusement? Ouais. Dans Donkey Kong 64... fait que tu ramasses vraiment toutes les bananes. Chaque banane que tu ramassais était enregistrée. Tu comprends? Pourquoi? Comme un peu dans Banjo-Kazooie? Ouais. Au lieu des notes de musique de Banjo-Kazooie, c'était vraiment toutes les bananes de Donkey Kong. Fait que tu te promènes dans tous les mondes pour ramasser toutes les bananes. Tu t'as fait ça du premier coup. Yes. Ok, on débarre le save après... Non, même pas. Je pense qu'on devrait prendre Funky. Pour un CV? Ouais. Pourquoi? Même ça marche? Ça s'en vient-tu vraiment dur ou...? Oui, oui. J'ai souvent été game over dans ce monde-là, puis il fallait que je recommence le monde au complet, là. Shit. Oh, ouais, on est rendu dans le territoire tough. Le premier... Non, ils sont tous tough. Les trois DK sont vraiment tough. Mais surtout ceux-là, parce que les save points sont tough à atteindre. OK. Fait que là, on va reprendre Funky. Je me suis fait un petit timer, fait qu'on a oublié de le casser. Oups! On est vraiment poche à starter des timers. Mais non. Epic Joystick. Parce qu'on vous aime trop, on veut vous donner trop de contenu. Exact. Mais là, okay, t'as fini deux mondes. C'est 11 à 4. Yeah! Je m'excuse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est le nouveau tableau. C'est ça? C'est encore un tableau dans ce style-là. Ouais, check. Il y a une grosse marmotte qui te court après. Comme dans Outlast. Check. Dans Outlast, il y a une marmotte qui court après. Ben non, mais il y a des gros monstres qui te courent après. Ben là, c'est quoi, il flotte dans les airs, dans le fond? Ah ouais, check. Fait que s'il y a un trou, il passe par-dessus? Ouais. C'est n'importe quoi. Et là, c'est 1994. Ben... Ils ont pas obligé d'avoir une explication pour pourquoi il y a une marmotte qui flotte dans une espèce de grosse chose qui fait tourner la roue pis tu peux flotter dans les airs, là. Ah, je pense que c'est supposé être un hamster qui tourne dans sa boule. Ouais. Non. Non? Ben... Down! Non. Oh. Pas de temps pour les secrets, Mathieu. Oh fuck. Hey Matt. Premier ennemi. Yeah. Yeah, good job. Mais il me court-tu encore après ça? Il y a un nouveau là. Lui il te court après.
Dépêche-toi! Ben là, il est pas vite dans Donkey Kong. Oui! Oui! Je pensais que ça allait plus vite quand je roulais. Non, ça c'est Diddy Kong. C'est pour ça que je t'avais dit, Matt, moi je vais être Diddy Kong. Ouais, peut-être parce tu vas être le bonhomme OP, pis moi je suis le... C'est ça. Oh god. Le slow fucker. Slow DK. Slow dick. Baba! Toi là, tu dis toujours des choses inappropriées. Désolé. C'est quoi la fois que t'as dit l'autre fois que... Ah! Est-ce qu'on peut manger la banane? Ben là, c'était pas si pire! Est-ce qu'on peut manger la banane? Non, mais je pense que t'as même dit, on peut-tu manger la grosse banane? C'est pas si pire que ça? Oui! C'est pire! Oh! Ben, une vie, man. C'est la fin! Mmh. Oh! J'ai oublié d'accrocher sa fucking corde! Mais faut que tu fasses un piston spécial? Ben, il faut que je repasse sur le même. Là, c'est moi qui... J'ai m'excuse. Yeah! C'est pas ton jeu, hein? On revient à... Alex joue. Alex passe la cassette de Diddy Kong. Tout seul. Il s'appelle maintenant Diddy Kong, le jeu. Tu veux y aller? Ok. Je pensais que t'allais mourir, ça. Hein? Tiens, petit bonhomme. Arf. Tiens, c'est fini. Good job. J'ai pas fait de paris prêt. J'ai vraiment essayé. Shit! Ok, j'ai peur. My god. Je sais pas si mes pitons ils marchent pas, mais il me semble que ma roulade elle fonctionne pas comme d'habitude. Comme ça. Ça va-tu plus vite lui? On dirait qu'il fait comme plus vite. La marmotte? Ouais. Il me semble que ça va. Ah. Ouais, peut-être vers la fin il va plus vite. Alright. Shit, j'ai pas sauté assez proche! Alex! On est même pas capable de survivre à cause de toi. What? Hey! Fait que... Ça va? Ouais, on parlait de comment... moi j'avais peur dans le noir là, quand je fermais les lumières. Puis ouais. Toi t'étais comme, je sais pas de quoi tu parles. Mais tout le monde, mes commentaires m'ont supporté. Puis ils sont d'accord avec moi, c'est fuck... Même, il y a un gars qui avait genre 18 ans puis qui a encore peur, ok? En fermant les lumières. Ouais, mais c'est pas moi, c'est pas Ganondorf qui pense. Ça va vraiment mal à ta affaire. Je sais. Puis j'ai compris qu'il faut que je tienne Y pour aller plus vite. Ah, t'es sérieux? T'avais pas catché? Non. Mais merci à tous les commentateurs de YouTube. Fait que là. De m'avoir supporté. On fait des commentaires sur quelque chose d'autre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, faut parler de quelque chose d'autre pour que les gens fassent plus de commentaires. Ben go. Ben je sais pas, moi, faites un commentaire si vous aimez les crocodiles. Ou vous aimez pas les crocodiles. Un ou l'autre. Moi j'aime pas les crocodiles. Pourquoi t'aimes pas les crocodiles? Explique-moi. Hey, j'ai eu un argument au magasin aujourd'hui, l'autre jour à propos de crocodiles même. Ah ouais, vas-y donc. Ah c'est... Attends, y'a-tu un client qui est genre rentré qui commençait à parler de crocodiles? Non, c'est de mon staff là. Ah ok. On parlait de... Christ. Oups! Je pense que la SNES a une mémoire de 2 secondes. Ouais, exact. Peux-tu faire ton histoire de crocodile? Ah, c'est juste que c'est pas grand-chose. On parlait... Hey, yeah, safe point. On parlait de crocodile puis d'alligator. Ouais. Puis mon staff disait, les crocodiles et les alligators, c'est la même chose. Oh, moi, j'étais comme, tu me niaises, hein? Non! Un crocodile, c'est un nez qui est plus long puis plus dedans qui coupe. Fuck! Puis... What the fuck, il sortait d'où, lui? C'est parce qu'il y a une affaire vraiment nice avec ce tableau-là. Puis l'alligator, il a un nez plus petit, mais il déchire avec ses dents. Ok. Là, faut que j'aille là? Ben, tu peux faire rouler un baril puis faire tout le tableau en roulant. Là. Je lance le baril? À gauche. À gauche? Par là? Ouais. C'est gauche. Ça va. Ok. Si je suis capable de pas mourir. Mais ouais, ok. C'était tout, c'était mon anecdote. Nice. Mais il était sérieux, il savait pas. Il pensait qu'il y avait pas de différence entre les deux. Ouais. Ok. What? Ouais, ouais. Quoi? Ouais, ouais. Je savais même pas que tu pouvais faire ça. Là, tu le sais.
ça, de pouvoir te montrer des nouveaux trucs d'un jeu qui date de genre 20 ans, que tu sois aussi surpris. Là. Non, ben là, vrai, j'avais vraiment nice. Jamais vu ça. Ouais. Wow. Ta réaction était trop legit, là. Ah, c'est l'autruche! C'est ce qui est top. J'en reviens pas toujours, sérieusement. Là. Ouais. C'est comme l'affaire du crocodile. Tu peux le faire dans le 2 aussi. Ben dans le 3 aussi. C'est comme l'affaire du crocodile. Non! Non, mon autre! Tu peux-tu leur pogner comme Yoshi? Oui. Me semble. Oh oui, tu peux. Oh fuck me! Ok, Matt. Ah, c'est à moto. Don't fuck it up. En haut, je pense qu'il y a un baril. Jesus. Yes. Yeah. Ah. C'est tellement rassurant quand tu me libères. Pas que je t'atroce pas, là, mais. Ouais, j'ai pas honte. Je t'atroce pas. Don't oh. Oh, fuck! Je t'atroce pas non plus, t'es même pas capable de sauter sur un baril. Ben ouais. En métal, ça marche, mais. Là, t'es en train de mourir, là. Oui. Mais on vient de sauver. Ouais, on est correct. Donkey Kong! Donkey Kong. Tu me disais tantôt que t'as écouté l'émission. Oui. T'as écouté un épisode de l'émission. Après avoir parlé de l'épisode de Donkey Kong. C'était lequel? C'était l'épisode où Donkey Kong se fait comme... C'est comme la journée de paix entre les crocodiles puis les babouins. Ok. Puis King Carol va sur la plage avec Donkey Kong. Puis ils font comme la paix, mais lui fait comme un complot machiavélique pour que tout le monde haïsse Donkey Kong. Pour que Diddy devienne le prochain roi de Congo Bongo, ou je sais pas plus c'est quoi ça s'appelle. Congo Bongo. Congo Bongo. Attends, c'est un club au Mexique. C'est comme ça s'appelle, Congo Bongo. Ouais? Ouais, pas des jokes. Puis Yeah! Yeah! Puis c'est ça, fait que Diddy devient le futur roi. Hein? Mais comme Diddy est pas assez fort, King Carol est capable d'attaquer. Puis il pong Donkey Kong, puis il l'envoie sur le dessus d'une montagne avec avec un autre babouin blanc? Ouais, des neiges. Oh my god. T'as dû faire le save point. Ouais, j'y pensais, puis j'ai fait comme fuck. Fais-tu plus que 10 minutes? Ouais, ça va faire 10 minutes. C'est le même épisode. Là. Dernier niveau. Là. C'est le tableau fucking tough. Ça? Ouais, Clam City, il est très difficile. Très drôle. J'ai soif. Au moins, qu'est-ce que j'aimais dans Donkey Kong, c'est qu'il n'y avait pas de... D'air? Il n'y a pas d'air, ouais, exact. Ouais. Il n'y a pas grand jeu qui ont de l'air. À part Sonic. Fuck Sonic! Fuck Sonic! Tu que j'ai fait souvent ce tableau-là? Ben, je sais pas, là. T'as dit qu'il était poche. Et qu'il était dur. Ouais, il est tough. Oh, wow. Mais t'as déjà rendu à moitié, au moins, fait que... Ouais, mais... Ouais, mais c'est... Oh, God. Il va se faire pogner. Oh, God. Go! DK, il va mieux dans l'eau, je trouve. Il cale plus. Ok, I got this. C'est bon. Yeah! Yeah! Okay. Moi, j'ai survécu assez longtemps pour te faire revenir. La toune qui de Donkey Kong Country, cette toune-là. T'as connais sûrement. Elle est plate. What? Ça? Ok, les opinions de Mathieu ne reflètent pas les opinions d'Epic Joystick. Tu auras tellement de commentaires. Je suis 50% du. Like, comment, subscribe si vous aimez cette toune-là. Puis qu'elle définit votre enfance. Dude! Pas cette toune-là, non! Aquatic Ambience. Ah, je suis même plus là. Putain, on a fini le monde. Ben, non, il reste encore le boss. Fait que prochain épisode, on continue avec le boss. Ouais. Ah, oh, c'est plate. Est-ce qu'on tue le boss puis on finit l'épisode après? On va faire un épisode long, mais. On fait un épisode long! Pour vous! Clam City! On est rendu à 11 minutes, puis j'ai commencé après à peu près 2 minutes. Quand il y a un point d'exclamation à la fin du tableau, ça veut dire qu'on a tout trouvé. Sérieux? Ouais. C'est la façon de savoir que t'as tout fait dans ce tableau-là. Oh, oh God. C'est une grosse abeille, hein? Ah, si, je me trompe de boss. Dans le deuxième, faut vraiment pogner juste le pic. L'aiguille. Comment t'appelles ça? Un stinger en anglais. Un dard. Son dard.
Puis dans ce jeu-là, faut juste y fesser d'en face. Fesser d'en face! Lance-y un baril d'en face! Mais tu peux pas quand il est rouge? Non. Ça me semble évident. Rouge, c'est que tu stop. Puis jaune, ça veut dire continue. Vas-y, frappe fort, vas-y vite. Ouais. Shit. Ça marche pas, tourne-toi de bord avec un baril d'en face. Ok, Matt, don't fuck it up! Go, 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 ok, ok. C'est le dernier, lance! Yes! T'as fait ça comme un site attardé, mais c'est pas grave. High five! Yeah! Alright, guys. T'as-tu vu, il était comme... Ouais. Mais c'est pour ça que je suis comme... Oh, God. Okay, Gorilla Glacier. Prochain épisode, on s'en va dans la glace. Il fait frais, Chris. Je me suis jamais rendu plus loin que ça.